Madame, Monsieur, bienvenue à ce 7 minutes, voici les titres. Alassane Ouattara a annoncé que la Côte d'Ivoire fournirait un bataillon de 850 à 1100 hommes aux côtés du Nigeria et du Bénin pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Les travaux de la baie de Cocody avancent bien. Le ministre chargé de l'hydraulique, l'assainissement et de la salubrité en a fait le constat le jeudi 10 août 2023. Et puis à Gagnoa, les rois et chefs de village réclament des salaires à l'État de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va effectivement participer à la probable intervention militaire au Niger. Le président de la République Alassane Ouattara l'a fait savoir le jeudi 10 août dès son retour d'Abuja au Nigeria, où il a pris part au sommet extraordinaire des chefs d'État et de la CEDEAO sur la crise que traverse le Niger. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ses troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a donné le déploiement d'une force en attente pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. De son côté, la France a apporté son plein soutien à l'ensemble des conclusions de la CEDEAO avant de réitérer sa ferme condamnation de la tentative de putsch en cours au Niger et de la séquestration du président Bazoum et de sa famille. La junte militaire nigérienne a formé son gouvernement. Il est composé de 21 membres, dirigé par le Premier ministre Ali Mahamat Lamine Zeyn, nommé le lundi 7 août. Les ministres de la Défense et de l'Intérieur sont des généraux du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, respectivement le général Salifou Modi, ancien chef d'état-major des armées, remercié début avril par Mohamed Bazoum et le général Mohamed Toumba. L'annonce de la formation de ce gouvernement est intervenue quelques heures avant un sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest consacré à la situation politique du Niger, prévu le 10 août à Abuja, au Nigeria. La CEDEAO est considérée par les nouveaux maîtres de Niamey comme une organisation à la solde de la France. Mercredi 9 août, ils l'ont accusée d'avoir violé dans la matinée l'espace aérien nigérien, fermé depuis dimanche avec un avion de l'armée française venu du Tchad, et d'avoir libéré des terroristes, des accusations aussitôt démenties par la France. Les travaux de nettoyage et d'assainissement de la baie de Cocody avancent bien. C'est le constat effectué le jeudi 10 août par le ministre Boaké Fofana, chargé de l'hydraulique, l'assainissement et de la salubrité. Le chantier s'est déroulé en plusieurs phases, à savoir le dragage et l'assainissement du front lagunaire, l'installation des cavaliers de protection des berges et le drainage des eaux usées et pluviales. La réhabilitation écologique de la baie répond à la nécessité de dépolluer la lagune et briller, de favoriser le renouvellement de ses eaux par un traitement adéquat et de reconstituer ses ressources halieutiques. Vous savez que le président de la République va inaugurer le pont à Auban le samedi. Alors ce projet-là, il y a beaucoup de projets qui ont cours en même temps dans ce périmètre de l'Indénier. Il y a la partie infrastructure, notamment c'est le pont, c'est l'échangeur et tout ça. Mais in fine, à la fin de la journée, ce que le gouvernement essaie de faire, c'est la valorisation de la baie de Cocody. Ce canal-là, ça fait peut-être une dizaine d'années que personne ne pouvait voir le fond du canal à cause des dépôts de déchets, de sable, de tout ce que vous voulez. Alors, ce que nous avons fait comme travail ici, parce qu'il y a ce bassin, il y en a un devant Fraternité Matin, un autre côté lycée technique, nous retenons tout ce qui est déchets en amont. Ce n'est pas un travail facile. Donc, on a mis des dégrilleurs, ce qui était ici avant, on l'a enlevé. Il y a un dégrilleur à Fratmat, un autre au lycée technique, qui arrête tous les objets solides. Il est important de rappeler que le coût de réalisation de ce projet est de 137 milliards de francs CFA et au-delà des aspects touristiques, l'aménagement répond à un défi écologique tout en intégrant une vision urbanistique.
Un manque de moyens financiers, c'est ce à quoi font face les rois et chefs de village de Gagnoa. Pour sortir de cette situation, ils réclament des salaires à l'État de Côte d'Ivoire dans le but de garantir leur mission de pacificateur. Ils l'ont fait savoir au ministre et gouverneur du district du Godjibwa, Dakoury Tablé, le jeudi 10 août. Le président de la République qui a mis en place cette structure, il pense. Voilà. Nous avons au niveau de la Chambre nationale, lors de la loi organique, mais nous attendons un certain nombre de dispositions qui constituent les décrets d'application. Le ministre gouverneur Dakoury Tablé les a encouragés dans cette quête de mieux-être. Il leur a également expliqué que la structure qu'il dirige est un important outil de développement qui a des objectifs majeurs, à savoir maîtriser et booster le développement local. Et voilà, c'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7 Info et sur 7info.ci.